Donc, Nicolas Leguette, donc moi je suis installé depuis 20 ans sur une commune du Finistère tout près de Brest. Mon frère m'a rejoint sur l'entreprise il y a 3 ans et demi. Alors moi je ne parle jamais d'exploitation agricole. La sémantique est très importante. Quand on change de système, le choix des mots est important aussi. Donc je parle toujours d'entreprise parce que j'estime qu'aujourd'hui, les gens qui doivent s'installer sur les fermes doivent être avant tout entrepreneurs. Donc je vais présenter un peu l'entreprise. Après la genèse de cette agriculture régénérative, la conceptualisation de l'approche et comment après j'ai essayé de transposer en système agricole. Et puis il y aura des conclusions, quoi. Donc nous sommes 2 UTH aujourd'hui sur une ferme de 33 hectares. Donc production pommes de terre, oignons rosés, échalotes et céréales. Et en commercialisation, donc je travaille avec une quarantaine de restaurateurs, 3 magasins fermiers et puis un drive que j'ai lancé il y a 3 ans. Donc la relation que j'ai avec la société civile est importante. Donc, alors la genèse, elle a démarré en fait par l'enjeu que j'ai un peu posé au départ, c'est comment produire une alimentation de qualité à un prix sociétalement acceptable. Et j'insiste sur cette notion de prix. Bon, j'ai moi-même eu l'occasion de faire de la coopération en République dominicaine et avec des missions à Haïti. Et ça m'a vraiment marqué de voir la famine, la misère dans ce pays. Et je me suis dit qu'au niveau alimentaire, on doit être capable de construire des systèmes agricoles à des prix sociétalement acceptables, quoi. En termes de produits, l'alimentation, c'est un bien de première nécessité et on ne doit pas être dans l'élite. À un moment donné, il faut que l'alimentation de qualité soit accessible au plus grand nombre. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur les coûts de production. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Carlos Ghosn, bon, qui a des déboires à l'heure actuelle. Mais il y a 20 ans, c'était un cost killer chez Nissan. Et finalement, moi, j'ai essayé de voir un peu comment nous pourrions traduire dans un système agricole ces coûts de production pour avoir des niveaux très, très bas. Donc, par rapport à ça, j'ai réfléchi et finalement, le fil conducteur que j'ai trouvé, c'était l'énergie. Parce que finalement, je me suis rendu compte, quand je me suis installé en 99, que depuis 40 ans, l'énergie avait plus que doublé et on était sur les mêmes schémas de production. Donc j'ai voulu partir sur l'énergie et pour ça le carbone très vite est venu dans la réflexion. Donc j'ai redéfini aussi la notion d'agronomie. Agronomie, il y a la partie nomie, ça signifie en grec nomos, ce sont les règles, les principes. Donc l'idée c'était aussi de prendre de la hauteur de vue. Et finalement aussi d'intégrer un pôle qui est souvent oublié en agronomie, c'est le monde animal, qui est souvent exclu. On avait une vision beaucoup trop réductrice de l'agronomie. On le résumait plus à de la phytotechnie sol-plante. Et on oublie ce monde animal. Après, il y a une autre chose aussi qui m'a interpellé, ce sont tout ce qui est modélisation, quoi. Il y a quand même des limites entre le in vitro et le in vivo. Il y a des différences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'invite la recherche à travailler davantage dans le in vivo. Parce que modéliser la nature, pour moi, ça, c'est illusoire. Elle est d'une telle complexité. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir beaucoup plus d'humilité par rapport à cette nature. Et finalement, vouloir la modéliser, c'est beaucoup trop réducteur. Et souvent, les chiffres qu'on sort d'une modélisation n'ont pas de sens. Donc derrière, je suis parti sur une approche beaucoup plus transversale, plus pluridisciplinaire.
Je pense qu'il y a 60 ans, l'enfant, enfin, les enfants d'agriculteurs qui s'installaient, c'était souvent les moins doués à l'école. Dans les générations, enfin, dans les années qui vont venir, je pense que ça va être les enfants les plus doués à l'école qui devront s'installer. Parce qu'on va aller vers la pluridisciplinarité, vers l'interdisciplinarité. Il faudra des réflexions beaucoup plus aiguës. Donc ces vecteurs de croissance derrière, en termes de sémantique, hein, on va passer de la phytotechnie avec beaucoup de chiffres à de l'agronomie qui est beaucoup plus voilà, une approche, une hauteur de vue avec moins de chiffres. On passe de la lutte à de la gestion de nuisibles. On passe de l'immédiateté à la lenteur. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, avec Internet, on vit beaucoup dans l'immédiateté. Mais la nature, son pas de temps, n'a pas changé. Et elle ne changera jamais. Donc, à un moment donné, pour passer dans la lenteur, je pense qu'on doit passer du curatif au préventif. Donc, on est dans une notion aussi, on était dans une notion très statique, et on doit rentrer dans des approches très dynamiques, avec la notion de recyclage. Donc, dans de l'oxydation, on passe à de la réduction, hein, on est vraiment dans les notions d'antioxydants. Et derrière, au lieu de déstocker, on va stocker. Donc on va construire. Donc je suis parti sur ces trois pôles. Le sol, le monde végétal, le monde animal. Donc j'ai bien inclus ce monde animal dans ce triptyque. Alors les pôles ont des propriétés physiques, chimiques, biologiques. Et quand je parle du sol, j'inclus le sous-sol. Parce que les minéraux y sont. J'inclus le bocage, j'inclus les talus, les haies. Dans tout ça vont participer à l'acte de production agricole. Et derrière, je lance une approche de management. Alors, je travaille beaucoup en couple, en binôme. Donc, je vais travailler diversité et équilibre. Les deux sont liés. On va construire les équilibres grâce à la diversité. Ensuite, il y a le côté quantitatif, qualitatif. Un système vertueux, c'est un système qui est en quantité. On doit développer cette valeur quantitative. C'est très, très important, et notamment le carbone. On ne peut pas construire des systèmes de qualité sur de la décroissance. Un sol, il est là pour produire. Après, on travaille sur la gestion de l'air et de l'eau. Bon, les deux sont liés, mais ça permet comme ça de gérer les excès ou les déficits. Bon, bien sûr, le couple carbone-azote, hein, qui est essentiel, hein, dans une réflexion carbonée. Après, on a le couple champignons-bactéries. Donc, aujourd'hui, les systèmes agricoles manquent beaucoup de champignons. Donc c'est aussi l'occasion de remettre du champignon dans nos systèmes. Et derrière, on a le couple fertilisation-nutrition. Alors quand je parle de fertilisation, ce n'est pas de la plante, hein, c'est vraiment une fertilisation du système pour nourrir la plante. Ça, c'est très important, cette notion de nutrition de la plante. Parce que derrière, on construit des qualités nutritionnelles des aliments par cette nutrition du système. On a trop souvent mis les plantes sous perfusion. Et une plante sous perfusion, elle grandit, mais elle ne nourrit pas. Et tout ça, derrière, c'est pour construire un capital santé. Donc quand on a une santé des sols, santé de la plante et santé du monde animal, tout se met en place. Même au niveau du monde animal, hein, je travaille pas mal avec des apports de matière organique. Bah, quand on a des animaux en bonne santé, on a aussi une bien meilleure qualité des amendements organiques. Les amendements organiques, ce n'est pas un déchet. En Bretagne, c'est une valeur extraordinaire que l'on a. Par contre, on ne sait pas les valoriser, on n'a pas su les intégrer comme il fallait dans le système. Donc je vais parler un peu plus maintenant de l'entreprise, là. Donc je suis sur une ferme de 33 hectares, 3 hectares de pommes de terre primeur, 6 hectares en pommes de terre de conservation et 24 hectares de céréales.
Donc en termes de réflexion, rotation, j'ai une gestion unique des cultures et des couverts végétaux. Pour moi, c'est la même façon de manager les deux, quoi. Alors le pas de temps, pour moi, n'est plus le critère principal. Jusqu'à présent, on définissait une rotation par le nombre d'années entre une même culture. Moi, j'ai une approche différente. Pour moi, la rotation, c'est le nombre de plantes que je suis capable de mettre entre une même culture. Et donc, la notion de pas de temps n'est plus présente. Ce qui est important, c'est la diversité des plantes qu'on met dans le système. Par exemple, en pommes de terre primeur, je suis sur une rotation sur 2 ans. Alors, ça peut paraître très, très resserré de planter des pommes de terre tous les 2 ans, mais finalement, une pomme de terre primeur, c'est 3 mois en terre. 3 mois sur 24 mois, ça ne fait que 12% du temps. Qu'est-ce que je fais des 88% qui restent? Donc la condition après, bon, c'est avoir une réflexion globale sur la rupture parasitaire quand on est dans des systèmes comme ça, très intensifs en termes de rotation, et toujours avoir en tête le raisonnement carbone-azote. Donc en pommes de terre primeur, donc rotation sur tous les 2 ans, avec une différence entre l'année 1 et l'année 3. En année 3, je me permets même de faire une double culture, où j'ai une pomme de terre plus un maïs grain, et alors qu'en année 1, je privilégie la rupture parasitaire avec des couverts végétaux. Et en couverts végétaux, là, j'ai commencé à travailler des couverts spontanés. Par exemple, ici, là, je valorise un couvert de kénopodes. J'ai un stock semencier dans le sol. Je le fais pousser pendant 2 mois. Le kénopode, c'est une plante fantastique. En 2 mois, elle fait, au mois de juin, là, elle fait 1,80 m de haut. Elle fait du carbone rapidement. Donc, dans des systèmes légumiers où on laisse peu de carbone au sol, finalement, ça rentre très bien dans le schéma. Et derrière, je vais remettre un deuxième couvert qui est plus orienté, où je vais mettre des légumineuses, de la moutarde, du sorgho. Ensuite, j'ai les pommes de terre de conservation. Là, ça demande un peu plus d'espace entre chaque production, puisqu'elle reste 5 mois. Donc, je reste sur à peu près 5 mois sur 4 ans. Ça fait les 10%, quoi. Sur 48 mois, 5 mois, ça fait bien 10%. Et là, je suis sur un système plus classique, avec toujours quand même les couverts végétaux. Dès que je peux en mettre, j'en mets, quoi, pour compenser la perte que j'ai en carbone sur la production de pommes de terre. Donc, j'ai 2 leviers aujourd'hui. J'ai les couverts végétaux. La plante, elle fait tout, hein. Elle travaille physiquement, elle réorganise les éléments, elle amène de la biologie. En fait, c'est un levier fantastique. Donc j'essaye de mettre des couverts en continu, une diversité de plantes dans les couverts, une biomasse maximale pour construire ce carbone. Alors le deuxième levier, bon, alors moi je vais mettre un peu en avant cette chimie de synthèse, elle est souvent décriée, mais il faut savoir que dans la nature, tout est biochimique. Les réactions d'oxydo-réduction acido-basique sont sans cesse en action. Et par rapport à ça, je voudrais mettre un peu un bémol sur la vision qu'on a de la chimie de synthèse, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le radicalisme, ce serait contre-productif. Et moi, l'idée que j'ai derrière, c'est comment construire notre capital santé. Est-ce qu'on se base uniquement sur des valeurs nutritionnelles ou sur la non-utilisation de chimie de synthèse? Il y a un débat à avoir là-dessus, quoi. Donc au niveau des engrais minéraux, qu'est-ce que ça m'apporte d'en mettre un petit peu? Ça m'apporte qu'au mois de février, par exemple, le sol, avec la température qu'on a, n'est pas en mesure de fournir de l'azote. Et par l'engrais minéraux, j'arrive à booster ma photosynthèse dès le mois de février. Et c'est un peu pareil après au mois d'août, quand le sol est très très sec. Par les engrais minéraux aussi, j'en ai mis en amont, ils seront disponibles pour mes couverts végétaux. Donc j'optimise derrière la photosynthèse.
Et en termes de choix, après, j'essaie toujours de prendre des engrais et minéraux qui doivent passer par la voie biologique. Donc j'ai terminé les ammonitrates, tous les produits oxydants, j'essaie de les mettre de côté. Et en produits phyto, après, derrière, ça me permet de gérer, par exemple, les couverts spontanés de kénopodes. Ça ne me dérange pas d'en avoir, puisque je sais qu'au cas où, j'ai la chimie pour les contrôler. Optimisation de la photosynthèse et également valorisation des légumineuses. Quand on part sur des schémas de trèfle permanent, la chimie nous aide bien à contrôler ces légumineuses. Alors, je vais juste vous prendre l'exemple de l'hydrazine malique. C'est un acide aminé de synthèse qu'on utilise pour empêcher la pomme de terre de germer après la récolte. Enfin, elle est appliquée sur le feuillage des plantes. Et en fait, ce produit, il a quatre fonctions en même temps. Je travaille sur la prophylaxie, puisque j'empêche les repousses de pommes de terre. Donc je travaille en prévention pour les années à venir, notamment par rapport au mildiou. Ensuite, c'est une action sur la transition énergétique, puisque je ne dépense pas un seul kilowatt pendant 8 mois pour conserver mes pommes de terre. Je les conserve au frais à 8-10 degrés. Et donc ça me fait un bilan énergétique très intéressant. Derrière, je préserve les qualités gustatives de mes pommes de terre, puisque comme elles ne sont pas passées au froid, il y a moins de risque de sucrage. Et je préserve aussi les qualités nutritionnelles, puisque l'amidon ne se transforme pas en sucre réducteur. On parle souvent des sucres lents en pommes de terre, mais avec certaines pratiques, aujourd'hui, on mange des sucres rapides. Hein, il faut être bien conscient de ça. Donc par rapport à cette chimie de synthèse, ce qui est important, je pense, c'est de redéfinir un peu le positionnement de la chimie dans l'acte de production agricole et redonner un peu plus de sens à son usage, c'est-à-dire d'arrêter de faire du systématique. La chimie, moi, je la positionne un peu comme la cinquième roue du carrosse. Je pousse le curseur de la biologie à 100% de ses capacités. Moi, j'ai une approche assez industrielle là, du système agricole, là, ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le trépied. Pour moi, le cœur du métier, il est là. Et on doit le pousser à 100% de ses capacités. C'est comme un entrepreneur qui a une usine, on l'amène à 100% de ses capacités. Et quand on arrive à 100%, je pense qu'on est globalement bon en environnement, bon économiquement et bon socialement. Ah donc moi, je suis co-président d'un groupe TCS 29 là, avec Jean-François Sarraud dans le Finistère. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 250 membres. Et nous avons lancé une réflexion sur le carbone dans le groupe. Et on a comparé trois types d'agriculture, les conventionnels, l'agriculture de conservation et l'agriculture biologique. Alors moi, je suis situé... Mince, voilà. Je suis situé ici. Donc globalement, pour quelqu'un qui fait une culture industrielle, j'estime que je m'en sors pas trop mal. Parce que j'ai du champignon dans les sols, j'ai du ver de terre, et on se rend compte que dans les systèmes, là, je vois en biologique... Finalement, ce n'est pas l'usage ou non de la chimie de synthèse qui est le plus problématique, c'est le fait de ne pas avoir assez de carbone dans nos systèmes. Le seul qui s'en sort, c'est quelqu'un qui a énormément de carbone et qui a une approche très intensive du système. Comme quoi, la biodiversité, comme disait hier Conrad, elle se construit avant tout avec l'approche trophique. S'il n'y a pas de matière... à dégrader, s'il n'y a pas de rien à manger, la biodiversité ne peut pas se construire. Donc juste pour conclure, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je pense, c'est une politique de résultats. En France, on souffre beaucoup trop de cahiers des charges de toutes sortes, où on ne préconise que les moyens, mais ce qui est important, c'est des obligations de résultats derrière, quoi.
Après, deuxième point, je pense que la réflexion, elle doit être collective. Bon, on a la chance dans le Finistère d'avoir une dynamique de groupe avec des leaders dont certains sont dans la salle aujourd'hui. Et ça nous permet d'avancer parce qu'on a aussi une diversité de production, aviculture, laitière, porcine, grande culture. Et ça nous permet aussi d'élargir le spectre de la réflexion. Après, je pense que cette transition écologique, elle se fera avant tout sur l'énergie. Quoi qu'on en dise, je pense que les systèmes les plus vertueux seront des systèmes peu énergivores. La plus belle énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Après, au niveau des résultats, je pense que les résultats économiques sont la résultante de résultats sociétaux et environnementaux. Quand on a un travail très efficace avec des externalités négatives faibles dans l'acte de production, on est économiquement très performant. Alors là, j'ai repris la phrase d'un philosophe américain du 19e siècle, du Massachusetts. Notre vie se perd dans des détails. Simplifier, simplifier. Et je pense que quand on est agriculteur, on doit prendre de la hauteur par rapport au métier et surtout avoir juste un simple fil conducteur qui est le carbone. Et avec ça, on peut aller très loin. La France, par son éducation, par sa formation, elle aime bien les chiffres et surtout les deuxièmes ou troisièmes chiffres après la virgule. Et on en oublie souvent l'unité ou la dizaine. Donc je dirais tout simplement, less is more, un sol, moins on le bouscule et plus il est capable de produire. Je dirais, en France, on a un potentiel pédoclimatique exceptionnel par la diversité des paysages, par la diversité des climats, des sols et des hommes qui y habitent. Et aujourd'hui, on joue en seconde division. Donc soyons beaucoup plus ambitieux pour retrouver notre leadership. Et pour ça, je pense, soyons, je dirais, persévérants, soyons imaginatifs, soyons tout simplement brillants. Voilà, merci. Merci beaucoup.